avant toute chose, cette semaine, côté DC, problème de livraison au Canada. Ils ont perdu une palette à quelque part. Il nous manque, qui vont arriver plus tard, il nous manque les variants de Aquaman 3, les variants de Batgirl 49, Dark Knight, Death Metal, Speed Metal numéro 1, ainsi que le variant Flash 762, Justice League Dark 26, The Last God 9 et Looney Tunes 256. Alors, bonne idée, TNT. Ça va beaucoup mieux que passer par Diamond. Ils ont perdu une palette. Par contre, Angora Napkin est arrivé. La BD finale de l'œuvre de Troy Little, à l'origine co-créée par Nick Cross et Troy Little. Troy a poursuivi la chose. Ben toi, fan de Angora Napkin, tu te reconnais, tu sais que je t'en ai parlé, puis que c'est drôle, puis c'est bon. Puis j'avais vu Troy Little rencontrer pour la première fois au Comic-Con de Montréal 2019. What he said? J'osais avec, vraiment cool. Puis j'avais demandé, quand est-ce le prochain Angora Napkin? C'est quoi Angora Napkin? C'est bon, c'est drôle. C'est comme Scooby-Doo. Enlève le chien pour adulte. We want information. 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 Ça date quand même. Ce serait le dernier, la conclusion, la fin de tout. Si tu veux te donner une idée, chez toi, fouille dans ta bibliothèque, dans tes vieilles boîtes, retrouve la boîte à BD, le comic book numéro 2. Ça date avec la même histoire. Hey, signé par Marie-Claude Bourbonnais. Était dans mon histoire avec Laurent. Okay. Moi, j'avais écrit une histoire de char là-dedans, illustrée par Larry Castillo, mon ami belge, publié en 2013. Angora Napkin, les deux premières pages. Ta-da! Et plein de jokes rapport au BD et sur la culture populaire. Et il y a un cartoon. Angora Napkin, YouTube. Cartoon. Sinon, cette semaine, côté américain, hey, ça date, le dernier numéro du temps de la pré-COVID, man. Tu t'en rappelles-tu? On va se laver, on va faire que tu fouilles dans tes boîtes, t'es le lit, ton numéro 3 avant. Des X-Men, Juggernaut 1 et le début d'un événement X-Men, X of Swords. Non, la pompe à gaz n'est pas de retour dans la tank en dessous du char parce que j'avais eu un kit comme ça, la dite pompe avec toutes mes cils puis tout ça, puis le gars de Napa m'avait dit prends ton vieux filtre puis il va fitter en dessous. Mais là, le vieux filtre n'était pas sorti de là, il a fallu que j'éventre la vieille pompe pour le sortir sans casser ça, pour réaliser que ça ne fit pas. Alors, commander un nouveau filtre et qui appelle ça, comment qu'il appelle ça en français? La crépine. Et d'ailleurs, ils m'ont déjà appelé. Alors, on va aller chercher ça. Puis, on va voir si on la remet dans le char puis qu'on part la Mustang.